Bienvenue à tous, c'est BDG. Donc aujourd'hui, nouveau tuto. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment gagner 100 000 runes très facilement. C'est simple. Vous pouvez le faire même au début du jeu. Donc, vous êtes là. Hop, je vous fais voir. La troisième église de Marika. Ici. Et on doit aller... jusque là, au fort Farot. La qualité est un peu mieux parce que j'ai augmenté la luminosité et j'ai mis le HDR. Donc je vous fais voir le chemin en rapide. D'abord, tout d'abord, je vous fais voir où faut y aller. Donc vous allez ici. Ici, vous voyez. Il y a un petit téléporteur. Ici, il y a un petit téléporteur. Ah, vous dites qu'il n'y a rien. Ici, il est là. Hop, vous prenez le téléporteur. Et là, il faudra faire très attention, si vous n'avez pas niveau, n'affrontez personne. Et surtout, ne frappez pas lui. Surtout, ne le touchez pas. Si vous le frappez, vous êtes mort. Hein. Donc, regardez bien la route. Ici, ça nous a téléporté ici. Et on doit aller jusque là. C'est le point numéro 2. Et arrivé ici, vous prenez hop, vous prenez ça, et vous pensez bien passer par là. Hein. Surtout, pensez bien passer par là. Parce que si le dragon il vous voit, il va commencer à gueuler, à appeler ses poteaux et ils vont péter la tronche. Donc, non, passez bien par là. Activez surtout le site de grâce. Une fois le site de grâce activé, j'ai fait un tuto pour cette arme. Vous prenez votre. Ça, votre katana, pas celui-ci. Vous enlevez pas celui-ci, vous prenez celui-ci. Hop, j'ai tellement d'armes. Hein. Vous prenez ce katana-là, la lame météorique. Pourquoi? Parce qu'elle provoque des bons saignements et des bonnes attaques physiques. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas augmenté là. Elle est de base. Vous pouvez trouver le tuto sur la chaîne. Je vous le mets en description, je vous le mets dans les fiches. En haut à droite de l'écran, je fais un signe avec mon doigt, mais vous ne me voyez pas vu que la cam est désactivée. Mais c'est pas grave. Donc, vous mettez cette lame-là. Et surtout, vous pensez à prendre une patte. Vous enlevez tout ça, vous n'avez pas besoin. Comme ça, vous embrouillez pas. Vous mettez une patte de volaille en saumure dorée. Il y a aussi un tuto pour avoir la patte de volaille que je vais mettre aussi en description et aussi en fiche. Cette patte, elle va vous augmenter les runes. En fait, ce qui va se passer, vu que cette patte, je vais la mettre au moment où le boss il va mourir. Au moment où le boss il va mourir, je vais mettre cette patte. Pourquoi? Ça va augmenter les runes. Et avec le talisman doré, dont j'ai fait aussi un tuto que vous pouvez trouver aussi en description et aussi en fiche. Avec les deux combinés, vous allez ramasser au max très facilement. Très facilement. Hop. Et l'astuce, elle est simple. Au moment où le dragon, il baisse son aile, faudra manger la pâte. Donc, on va là. Regardez bien. Hop. Montez ça, c'est plus là. Il va crier, hein, ça fait rien. Il y a beau crier, il y a beau gueuler, ça fait rien. Là, j'ai bientôt fini. Donc, je prends la patte de volaille. Hop, vous avez vu en haut à gauche, il y a un truc qui s'est activé. C'est mieux de la prendre un peu avant. Comme ça, ça vous évite au cas où aussi. Elle reste 3 minutes. Hein. Pour ceux qui demandent, elle reste 3 minutes. Regardez, hop, là, c'est activé. J'ai bien le talisman. Regardez, il va mourir. Hein. Là, il va mourir. Elle reste 3 minutes. Là, il est mort, c'est tout. Hein. J'ai le talisman, puis j'ai la patte. Et vous avez vu, là, vous avez gagné 70... plus de 78... 100 000
100 000, vous avez gagné plus de 100 000. Facilement, facilement, vous avez gagné 100 000. En tuant ce dragon, en fait, ça a tué tous les dragons à côté. Donc, on répète, je répète. Quand vous le faites, il faut avoir le scarabée d'or plus la patte de volaille en saumure dorée. Et voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, la vie belle, mais ça n'est pas pour qui.